mesdames et messieurs, ou bonsoir. C'est Darcio Kondaga, CEO de Trillium Media, et c'est extrêmement important ce dont nous allons parler aujourd'hui sur le pouvoir des chiffres, le pouvoir d'Internet. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Academy Award, avec l'acteur Ali qui a gagné un titre dont les gens ne connaissaient vraiment pas, parce qu'en fait, il a commencé, je regardais son résumé, il a commencé à faire des films en 2001. Mais depuis 2014, il était dans la série House of Cards, qui est sur Netflix, qui touche en fait à peu près plus de 100 millions de personnes, qui est traduit dans 5 langues. Et donc, il a donné en fait il a été exposé un peu plus que prévu, mondialement. Parce que vous savez, Academy Awards, c'est quelque chose qui est mondial, c'est pas seulement local aux États-Unis. Et bien sûr, dans Luke Cage, il n'y a pas longtemps, et le film Moonlight. Je pense que c'est House of Cards et Nick Cage qui l'ont positionné pour pouvoir être à ce niveau et aujourd'hui il a un Oscar. Pourquoi je parle de Netflix? Pourquoi je parle de Hulu aux États-Unis qui touche 12 millions? Pourquoi on parle de Redbox qui est partout aux États-Unis? C'est des boîtes de DVD qui sont populaires en Europe depuis des années. C'est parce que Internet s'est positionné maintenant à plus d'influence que les films ou les chaînes de télévision avec des séries en fait. On ne peut plus ignorer cela. C'est plus que oh, je suis sur Netflix. Non, non, non. C'est mieux pour toi d'avoir une série qui commence sur Netflix, d'avoir une série à la télévision, parce qu'en ce moment, ils ont relevé le niveau, en fait. Donc, si ABC, ou bien CBS, ou NBC est occupé à juste avoir quelque chose, il y a d'autres alternatives, il y a d'autres networks, comme le network, TV Network d'Oprah, qui créent maintenant des séries avec des acteurs et qui peuvent toucher à peu près 2 ou 3 millions de personnes. C'est le chiffre clé, en fait, aux États-Unis. Donc, il faut faire attention sur Internet. C'est extrêmement important. Si vous avez un film, contactez-moi. Je peux vous aider à avoir une distribution de votre film sur Netflix, sur iTunes, sur Hulu et même sur Amazon aux États-Unis. Mais bien sûr, ça va vous coûter au moins 2 000 €. Donc, si vous n'êtes pas prêt, pas peine de me contacter. Si vous êtes prêt, contactez-moi et j'aurai vraiment plaisir de travailler sur un projet avec vous. Autre chose, ce qui s'est passé avec Nicki Minaj et Rémi Ma. Vous voyez qu'une artiste qui est indépendante comme Rémi Ma a pu faire du bruit en moins de 24 heures sur Internet et donne quand même un ultimatum à Nicki Minaj de répondre en 48 heures, sinon c'est grave quoi. Parce que dans les hip-hop, c'est ce qui est important. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va répondre, mais elle sera silencieuse. Donc c'est extrêmement important pour vous d'utiliser Internet. Si vous êtes dans la musique, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui « Oh, je sais pas, je connais personne, personne pour mettre ma musique à la radio. » Si tu sais te positionner et utiliser Pandora, iTunes, YouTube pour te positionner, bien sûr, maintenant SoundCloud et même Facebook, Instagram et bien sûr Snapchat, si tu ne peux pas te positionner, c'est que tu n'es pas prêt pour le game en fait, tu n'es pas prêt pour la musique, tu n'es pas si bon que tu le penses. Moi je suis dans le marketing, je n'ai peur de personne. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai tellement de contenu, chaque semaine je fais des vidéos qui touchent un certain nombre de personnes et j'ai une stratégie bien établie. Je ne m'occupe pas de savoir, oh mon Dieu, faut que je ne passe pas encore sur TF1, oh, je ne passe pas encore sur une chaîne au Canada, oh, je passe pas sur une chaîne au Gabon, qui me connaît? Non, je suis sur Facebook. Facebook, c'est la chaîne de télévision numéro 1 au monde, vous n'êtes pas au courant? Et après, c'est YouTube. Et après, c'est Snapchat. Donc, si vous n'êtes pas sur ces chaînes-là, de manière active, vous n'existez pas, en fait. Vous n'existez pas. Donc, prenez note, contactez-moi si vous avez de la musique, si vous avez un film, et pour pouvoir être connu dans le monde entier, je vais vous montrer exactement comment faire, parce que les médias, j'ai tous les chiffres, je sais exactement comment ça se passe. Merci bien, c'est Darcio Kondaga, on se voit la semaine prochaine. Et si vous voulez vraiment comprendre et apprendre ce genre de choses, cliquez sur le lien sous cette vidéo. J'ai un cours qui va vous décortiquer comment Internet se passe et comment construire votre business ou bien votre personal brand, comme on dit en anglais, sur Internet. Merci bien, c'est Darcio Kondaga, CEO de Trillium Media à darcio-kondaga.com. Au revoir.